C'est une belle manifestation qui a lieu en plus sur l'ancienne base aérienne, sur le plateau de Frescati. Là, c'est, j'espère, le coup d'envoi de bien d'autres manifestations et surtout un tournant économique, avec notamment l'agro-biopôle qu'on espère pouvoir développer sur une partie de la base. Alors c'est quoi cet agro-biopôle ? Je dirais que c'est une réorganisation des filières, c'est refaire à proximité de la ville tout ce qu'il y a longtemps qu'on ne fait plus, quoi, du légume de plein champ, essayer d'installer en fait des jeunes agriculteurs en maraîchage, quoi. Et c'est quelque chose qui ne se fait plus, et d'autant que ce terroir-là, très sableux, convient parfaitement pour ce genre de culture. Après, il faut de l'eau. C'est une terre à carottes, en fait, finalement, ici. Ouais, carottes à asperges, ouais, c'est une bonne terre sableuse. Après, comme je dis, il faut beaucoup d'eau. Et on a la chance d'avoir une nappe affleurante au bout de la base. Donc je pense qu'il y a toutes les conditions sont réunies pour réussir cette réappropriation des terres et redonner, repouvoir cultiver sur une ancienne friche militaire. C'est également bon signe.